Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc nous allons parler de la très célèbre, extrêmement célèbre expérience du chat de Schrödinger. Imaginons l'expérience suivante. Une boîte, un chat, je ne suis pas très doué pour le dessin, donc imaginez que ceci est un chat, voilà, une boîte, on a un chat qui est enfermé dans une boîte parfaitement étanche, avec suffisamment d'air à l'intérieur pour l'expérience, et isolé du monde extérieur. Dans cette boîte, on a placé un dispositif contenant un atome radioactif, un seul atome, on ne veut pas irradier le chat, et cet atome est choisi de manière à ce qu'il ait, il est initialement non désintégré, et il a une demi-vie de 10 minutes. C'est-à-dire qu'il a une chance sur deux de se désintégrer en 10 minutes. Chance, probabilité au sens quantique. Lorsque l'atome se désintègre, il enclenche la rupture d'une capsule de cyanure qui libère un gaz mortel, tuant le malheureux félin. Il s'agit bien entendu d'une expérience de pensée, personne ne l'a jamais réalisée. La question que l'on pose est celle-ci. Lorsque l'on ouvre la boîte, après 10 minutes, exactement 10 minutes, le chat est-il mort ou vivant? Et avant l'ouverture de la boîte, lorsque l'on ouvre la boîte, il est bien entendu que l'on va trouver le chat soit mort, soit vivant, avec une chance sur deux, vu que l'atome radioactif a une chance sur deux d'avoir déclenché le cyanure. Mais avant d'observer, avant d'ouvrir la boîte et de regarder ce qu'il y a dedans, la mécanique quantique nous apprend que cet atome est en fait dans un état superposé, désintégré, non désintégré, avec une chance sur deux au bout de 10 minutes. Désintégré plus non désintégré. Un résultat commun en mécanique quantique est qu'on peut vérifier avec un atome radioactif, c'est un peu difficile, avec d'autres types de, par exemple, des excitations électroniques ou d'autres cas, on peut plus facilement le vérifier, vérifier qu'on a bien des superpositions quantiques, etc. Et ce genre de situation ne devrait d'ailleurs plus vous paraître étrange après avoir appris comment fonctionne la mécanique quantique. Par interaction avec cet atome, le dispositif, la capsule de cyanure et le chat sont tous dans un état superposé. En fait, c'est le schéma de von Neumann. Donc, désintégré mort plus non désintégré vivant. Ainsi, le chat est dans un état superposé, vivant-mort. Voilà qui est bien étrange. On n'observe jamais un chat à la fois mort et vivant, sauf peut-être dans les films de zombies. L'interprétation de Copenhague affirme que lorsqu'on effectue la mesure, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre la boîte, pour regarder, on observe un des résultats avec une probabilité donnée par la règle de Born. Ici, une chance sur deux d'avoir soit un chat vivant, soit un chat mort.
et la fonction donc du chat se réduit dans l'état correspondant. Donc l'interprétation de Copenhague affirme que le chat est à la fois mort et vivant, avant l'ouverture de la boîte. Et que c'est seulement lors de l'ouverture de la boîte que son état devient défini, soit mort, soit vivant. Voilà quelque chose de bien étrange et assez difficile à accepter. Quoi ? Quand on ne l'observe pas, le chat n'est jamais tout à fait mort. Ça dépend apparemment au principe pas de ce que nous on fait. Soit il est mort, soit il est vivant. C'est d'ailleurs ce genre de considération qui a conduit Einstein à la conférence de Solvay de dire à bord « Croyez-vous que la Lune n'est pas là lorsqu'on ne la regarde pas ?» Schrödinger a imaginé cette expérience de pensée pour bien illustrer ce qu'il considérait lui aussi comme un caractère problématique de la mécanique quantique, ou tout au moins de l'interprétation de Copenhague, c'est-à-dire de Bohr. Cette expérience a été énormément discutée. On a dit beaucoup de choses. Oui, mais l'interprétation de Copenhague parle d'état de connaissance, et simplement, avant l'ouverture de la boîte, on ne sait pas. Et après, on sait. D'autres ont dit, oui, mais le chat est aussi un être vivant, conscient. Donc lui aussi effectue une mesure de lui-même, et il sait s'il est vivant. Il ne le sait plus s'il est mort. Donc on a imaginé toutes sortes de solutions, mais en réalité, aucun d'eux, Einstein, Bohr, Schrödinger, ne connaissaient la décohérence. Ils ne l'ont jamais connue, ils sont morts bien avant. Le chat est macroscopique et il interagit très fortement avec son environnement. Diffusion des molécules d'air, choc des atomes des parois sur lesquelles il est étendu, diffusion des photons environnement, en particulier les photons thermiques à température ambiante, etc., etc., y compris les photons des ondes radio ou même du rayonnement fossile, hein, rappelez-vous. Nous avions discuté sur la localisation des systèmes. Et le système boîte seul, fermé, avec son chat et tout, est alors décrit par une matrice de densité réduite, qui se décohère presque instantanément. Pour un système de cette taille, la décohérence est virtuellement instantanée par rapport à nos possibilités d'observation de mesure, c'est instantané. Ce qui fait que le chat est dans un état de mélange statistique, des statistiques classiques, inconnu tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, mais soit mort, soit vivant, mais pas une superposition des deux, pas un chat zombie, qui est fortement amorti par la décohérence, très fortement. Mieux encore, via toutes ces interactions avec l'environnement, l'état du chat est enregistré, d'une certaine manière, dans l'état est différent, dans l'état de l'environnement, et donc de l'observateur, parce que lui aussi est fortement couplé à l'environnement et décohéré, et son état enregistre l'état du chat, même la boîte fermée, parce qu'un système totalement isolé est impossible à ce niveau. Rappelez-vous, on disait un système isolé, macroscopique, ça n'existe pas. Même pour lui, du moins pour son état quantique, le chat est soit mort, soit vivant. Pas les deux. Même s'il n'est pas en mesure de décrypter la fabuleuse complexité de cet état quantique, le sien et celui de l'environnement, ni de le mesurer, hein, essayer un peu de mesurer la position des milliards de molécules d'air qu'il y a à chaque instant autour de nous, imaginez la complexité de ça, et en plus décrypter toute l'information ainsi obtenue. C'est impossible. Et il ne peut donc en prendre réellement conscience
qu'une fois la boîte ouverte, par une mesure beaucoup plus directe, plutôt qu'à travers l'environnement. Et donc, il n'y a plus de bizarrerie. Le chat est mort ou vivant. Et on le vérifie en ouvrant la boîte. Le côté étrange de cette expérience, c'est le conflit qu'il y a entre le monde quantique et le monde classique, que nous avons tellement mis en évidence quand on, avant de parler de la décohérence, quand on parlait de l'interprétation de Copenhague, du schéma de von Neumann, et du fait qu'on avait quelque chose qu'on ne comprenait pas et que la réduction n'était pas si simple. Ce n'était pas un processus simple à comprendre parce qu'il était en conflit avec la mécanique quantique, etc. Et c'est ce conflit entre quantique et classique qui apparaît, qui donne le côté étrange. On a un chat avant ouverture quantique, zombie, et puis qui ne l'est plus. Mais en fait, la décohérence nous dit non, non, non. Il n'y a pas de conflit parce que le chat est classique. Il est un système classique, macroscopique. Même avant d'ouvrir la boîte. La décohérence permet donc vraiment de mieux comprendre le monde classique qui nous entoure et donc, et dont les fondements sont pourtant la mécanique quantique qui est si étrange. Et voilà, et nous clôturons sur cette conclusion, cette série sur la décohérence. Je vous remercie.